Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les Jeux du Cygne avec le Cygne Noir et Damned. Salut, salut. Coucou. On est sur War Tales, on déboîte des 1 et on essaye de survivre aux conneries de Damned. C'est bien que t'avais dit que depuis que je t'ai fait avoir une clé, tu te foutrais plus de ma gueule. C'est vrai. C'est vrai qu'on avait évoqué ça. Tu l'as fait moins de 30 secondes après. Hein. Je peux pas. Voilà, donc notre petite compagnie avec notre poney de bas, puisque Akatsuki n'est pas... Un poney de combat, mais un poney de trait. Nous sommes non, en fait, on n'est pas désolé, Akat. C'est totalement assumé. On l'a assumé dans les épisodes précédents. On est des pourris et c'est comme ça. Voilà, donc on a plein de choses à faire. Il faut qu'on aille à l'ouest. On a des quêtes pour récupérer des sous parce qu'on a désespérément besoin de sous. Mais là, dans l'immédiat, on a besoin de sel et de picole. Yep, donc si Damned, tu veux t'occuper de l'achat, notre cuisinier préféré. Est-ce que t'es sûr que c'est vrai? Bah, je pense qu'il faut qu'on garde au moins 150 balles, voire 200 si possible, de coussin. Mais bon, vu le prix du sel, ça devrait aller, je pense. Attends, c'est. Voilà. Bah, y en a que 3 de celles-là, donc déjà. Genre, ça le recueil de prières, tu l'achètes pas par exemple? Tu veux dire le livre que je viens d'acheter? Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on. Je crois qu'il y a l'autre vendeuse, elle avait une promo la dernière fois. Alors est-ce qu'elle l'a toujours? Ça dépend d'une fois sur l'autre. Là, c'est... elle le vend pour 2, son sel. C'est en fait quand il est en promo, il est sur le mien vert. Ouais, lui il le vend pour 2 aussi. Donc non, là actuellement c'est le même prix pour les deux. Bon bah j'y vais. Hein. Sinon, je peux en voler aussi hein, si vous voulez. J'en achète combien? J'en ai 10 là. Ça suffit ou plus encore? J'en achète les 8 dans les recettes, tu fais quoi avec 10? Bah, une saucisse de loup c'est 1, un porc c'est 1, du pain c'est 1, donc ouais, 10 ça fait déjà 10. Ça dépend 10, quand est-ce 10, que hein. Vous comptez repasser par là, oui c'est ça. Prends les 18, enfin... Oui moi, après c'est moi, pas pour le poids que ça pèse, hein. on est large en poids. On est tranquille, allez voilà, allez bisous, voilà. Voilà, ça c'est... Et j'ai lâché ma souris. Alors est-ce qu'on a de l'alcool à acheter ici? On pourrait acheter du blé, mais... c'est à la taverne, mais... peut-être pas pertinent. Lui, il en vend pas de l'alcool. Il vend du cuir. De barbier, par contre, quand on a besoin de cuir, c'est ici qu'il faut en prendre. Alors, on avait besoin de cuir éventuellement, mais c'est peut-être pas une priorité vu nos finances. Alors, ah oui, ils vendent l'eau de vie, c'est ça. 3 balles quand même. Ça coûte 3, c'est pas. Sachant qu'on a besoin d'un par repas, quoi. Ouais, c'est pas c'est non vrai. Plus. J'en achète 5. 5, ouais. C'est pas mal. T'en avais plus du tout, hein. Non. Ouais, déjà 5. On va être à. Il nous reste 214 balles, c'est parfait. Après, on a pas des trucs à revendre de Gelden, là, justement, qu'il avait fabriqué. Ah, moi j'ai rien à revendre. La hache de lancer, le couteau de lancer qu'on pouvait éventuellement vendre si on veut pas s'en servir. Mais je pense qu'on trouvera à un moment un moyen de s'en servir. Et... Bah, il faut avoir un. L'idéal, ces trucs-là, c'est avec des les vauriens, des mecs qui attaquent au couteau. Ouais, parce que comme ça, ils ont rien en main gauche. Voilà. Ah oui. Après, gauche, tu vois, typiquement, on pourrait par exemple se dire, toi en brut, si on trouve une masse à une main, tu tankes pas, bah tu peux prendre ça, quoi. Ouais, ça marche aussi. Oui, si on trouve moi je maîtrise à peu près les ennemis avec mes deux tanks, quoi. Ouais, mais perdre le critique, l'animation du marteau à deux mains, moi je serais un peu triste quand même. Ouais, franchement, l'animation de la masse à une main, elle est classe. Hein. Tu lui mets un coup de masse par en dessous dans la mâchoire, là, il fait exploser toutes les dents. Ah oh là là. Bon, je pense que niveau course, on est pas mal. On peut se lancer, donc on va à Plaine Ouest, du coup. Ouais. Allez, let's go! À l'aventure, compagnon. Alors, l'Ouest, est-ce qu'il y a une route? Oui, bah c'est là où il y a les marchands. Ouais, bah c'est la question, est-ce qu'on prend la route ou est-ce qu'on traverse la forêt? Correct. Non, il y a le... Alors, en fait, c'est pas une forêt, c'est un lac. Il y a un lac autour, je crois, ouais. Ouais. Donc, il faut passer au sud. Il faut passer au sud du lac. Il faut suivre J3.
toute façon, il y a une falaise, donc on y sent pas. Ou alors, il y en a qui passent en bas, on se rejoint un peu plus loin aussi, oui. Vous pouvez faire ça, mais au cas où qu'on rate quelque chose, mais... Ça va le faire. Hop là, petit lag, excusez-moi. Ouais. Ça, ça arrive. Il fait nuit, les torches s'allument. Attention, le nuage. Alors, de... à droite, voilà. Ouais, hein, hein, voilà. Bisous. On n'a pas l'effet anti-brouillard, donc on n'y va pas. Une ferme prospère. Ça ouais, dommage, il y avait une... un truc à fouiller dans la fantôme là. On y va, non? On va pas, on y va, non? On y va pas. Il y a du bois là, à l'intérieur. Et la ferme, on peut faire quelque chose, oui? Il y a, une quête d'influence, je pense, en fait, ouais. Il y a Cécile qui nous parle. Vous êtes des mercenaires, vous êtes notre dernière chance. Je vous jure que je trouve de quoi vous payer. Donc normalement, elle était orange. Donc c'est censé être une quête de... du destin de Kiltren là. Ouais, de destin. Il faut que vous préveniez les amis de mon mari, ils doivent venir l'aider, oui, demandez-leur de venir. S'ils pouvaient au moins plaider sa cause, raisonner ces gens qui veulent le tuer pour rien qu'un peu de grain. On gagne un morceau de savon. Eh bah écoute, ok. Tout ce que m'a dit mon mari, c'est que ses amis vivaient au nord du lac, non loin d'ici, revenez vite par pitié. Alors est-ce qu'on peut parler aux autres pour savoir un peu ce qui s'est passé, parce que... Je regrette, je n'aurais pas dû accepter de faire ça, mais nous n'avions plus de provisions, nous commencions à mourir de faim. Ah, ils ont volé un truc et... Et c'est le bordel, c'est ouais. Ça. N'ayez aucune pitié pour l'homme que vous voyez là, il a fui son pays pour venir voler notre grain. Oui, alors je suis pas sûr qu'il ait fui spécifiquement pour venir voler votre grain, mais... Ce parasite des Dorins sera pendu haut et court pour son crime et nous redormirons bientôt sur nos deux oreilles. C'est pas un Dizendors, quoi. Et du coup, non. On peut voler le grain si on veut, mais... Ouais, du coup, t'arrives et tu hop. T'arrives, tu piques le grain, tout le monde est content. Vous avez raison, il faut le prendre au écourt, cet enfoiré. Hein. Hop, on va piquer le grain. D'ailleurs, les preuves ont disparu, c'est bien la preuve qu'il l'a volé. Ouais, exactement. Plus de grain, plus de problème. Hein. Exactement, c'est vrai. Alors, on m'a dit dans les commentaires que ça pourrait être intéressant de jouer un peu pour les réfugiés, justement. Parce que, a priori, dans mon let's play, j'avais joué un peu plus pour l'ordre. Mais Let's go, hein. Je crois que j'avais été plus ou moins équilibré sur mon let's play. C'est difficile de jouer vraiment pour les réfugiés parce que ça veut dire des combats qui sont pas forcément faciles. Mais bon, moi je l'ai donc sur une partie solo que j'ai pas beaucoup avancé. On peut monter là parce qu'ils sont au-dessus, je pense, dans la fête. Oui, ils sont. Mais on va pas faire la quête. Il a dit que c'était au nord ses amis, donc. Ça oui, mais là, on a besoin de sous, je rappelle. Ah oui, pardon. En plus, c'est au nord. D'accord. Là, je sens que ce groupe-là, là, c'est une prime. Ça. Ouais, c'est une prime, ce ça. Dans le tas, dans la... En plus, on va peut-être trouver quelques iris des neiges pour se faire. On n'a pas réussi à les prendre par surprise. Ostanor, le bricoleur. Donc ça, c'est un assassinat. C'est-à-dire que normalement, c'est censé être des jambons. Ouais, bah le jambon, ça se mange. Hein. Exactement. Personne ne saura que c'est nous qui les avons tués, de toute façon. Si on les tue tous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Tueur à gage, ravageur, tueur à gage, ils ont l'air vénères les tueurs à gage. Tempête de lame, 12 de dégâts à tous les ennemis dans la zone. Applique fragilité, ouais. Très bien. Il est où le chef? Il est là. C'est quoi son truc? Dégâts augmentés de 30%. Je pense qu'on pourrait aller le chercher direct. Hein. Ouais, ils sont que deux. Alors par contre, il y en a peut-être dans la brume, hein. Faut faire gaffe. Ils sont censés être 5, non? On en voit 5. Ouais, non, il y en a deux là. Ah, c'est lui, Ostanor le bricoleur, là, le chef? Ouais. C'est celui d'accord. Qui est tout là-bas, là, tout à droite. Le problème, c'est qu'il y a... Oh, ils sont chiants. Il y a vachement peu d'emplacement, quoi. Ouais, ça veut dire que Chobiti, elle y va. Faudrait peut-être Malice en renfort avec ouais. Elle. Ouais, Malice qui... Bah, vous voulez vraiment pas vous concentrer sur ceux du milieu et les autres, ils vont nous rejoindre en galérant? En fait, le problème du chef, c'est qu'il a la brutalité du chef, là. Tant qu'il est pas engagé, tous ses potes sont 30%. Ah, tout le monde. Ouais. Ah, oui. Donc après Chobiti, oui. Alors je vais peut-être plutôt, si elle doit tanker tout seul, je vais plutôt mettre le signe. Le signe il peut tanker tout seul à un moment. Hein. Moi je peux me mettre avec toi quand même, mais, hein, pas de soucis. Mais Malice pour... Bah au moins elle est entre les deux groupes, voilà, donc ouais. Comme ça. Limite, vu qu'il y a une seule personne qui joue avant le tueur à gage, que fait c'est qu'avec Chobiti j'engage le tueur à gage. Ouais. Donc je vais me prendre tant pis les 30% de dégâts, mais vaut mieux maîtriser ça plutôt que... Ouais, je valide. Que le laisser taper qui veut. Moi, je dois pouvoir choper les deux tueurs à gages avec Galden et Malvinette. Ouais, ça nous fera un point de bravoure. Et le deuxième qui joue, c'est Ostarnor le bricoleur. Donc, je pense qu'il faut que je joue en premier. J'engage le tueur à gages avec Chobiti, et après, j'engage le bricoleur avec le signe. Je peux aller assez loin. Ouais, je peux aller assez loin. Ouais, je valide.
Et une fois qu'ils sont engagés, vous pouvez ils peuvent taper passer quoi. Dans le brouillard ou pas? Oui. Ouais, oui, hein. On peut passer. Il y a ouais. Même, et c'est parfois, dommage. En fait, t'as des ennemis qui se cachent dedans en fait. Des fois, il peut. Ah. Mais là, normalement, on les voit tous. Hein, donc, ça et tu es invisible à leurs yeux si tu rentres dedans ou pas? Je sais pas. Ah, oui. Peut-être. Bah, ce serait logique. Hein. Après, j'imagine qu'en marchant, ils tombent dessus quoi. C'est con la lance dans la le lance, sol, elle est trop ouais. Loin. Ouais. Ah merde. Nice. Nice. Bon bah du coup j'y vais avec Vas-y, ce petit. engage. Je vais me mettre genre devant lui, comme ça tu vas pouvoir toucher les deux après. Ouais. J'espère qu'ils sont suivants proches. Bim. Ok, donc il est engagé, il n'ira pas plus loin. Il va me faire mal par contre, hein, mais bon, c'est la vie. Terminer le tour. Ça va, ouais, Ouais. franchement ça va. Les 11 de la Ça garde, ah oui, passe. c'est vrai qu'elle a 30% de garde elle avec son bouclier. Ça fait plaisir. Hein. Bon, du coup, je vais chercher l'autre cornio et je vais essayer d'aggro le deuxième, hein, tant qu'à faire, pour que Malice puisse Oh bah, de toute caler façon, un le tir. deuxième, il. Je trouve, Il va venir vers toi, je pense. c'est pas très compliqué, de, je trouve, la gestion de l'aggro Non, en fait, globalement. ouais, d'ailleurs, c'est tellement pas compliqué vu qu'on sait qu'ils attaquent les plus proches que je vais me mettre là, comme ça je laisse un Pour terrain libérer dégagé l'anglais. pour. Ouais, ouais. Ça me paraît pas mal. C'est plus logique, je pense. Voilà, on va l'engager. Je vous fais un petit point de bravoure. Est-ce que j'ai d'autres trucs cool? Les alliés engagés gagnent riposte. Il va attaquer, ça pourrait se valoir. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un point pour ça? Je sais pas. Riposte, non. Il fait quoi lui? 12 de dégâts. Les dégâts sont augmentés de 50% si cette unité est engagée. Hein. Ouf, oui, il va faire mal. Je vais caler une petite protection avec mon point du coup. Hop, Ouais, voilà. je pense qu'il vaut mieux que tu fasses ça. C'est parti, donc il va taper. Et bim, Ouais, en en plus, plus j'en ai regagné tu un fais avec ça. Glorieux. Le petit glorieux qui va bien. Bon là ça a été réduit de 70%, il m'a quand même fait 5 de dégâts, hein, donc ça déconne pas. Hein. Peux y aller, un Gaiden, c'est bon. Ouais, Je alors. jouerai en dernier, je pense, avec mes persos. Pas moins Est-ce que. que, mais je pense que. Elle est Là, pas mal normalement, j'ai chopé deux. la grosse hache du prochain qui joue là. Hein. Ouais! La décapitation a fait plaisir. Hein. Bim! Bim, allez, plus de garde là. L'autre Est-ce s'est que fait j'ai de défoncer, ça on a dégâts? vu. Est-ce Hein. que. Ouais, je vais utiliser un point là en Faites plus. gaffe, il y a un piège à ours au milieu là. Hein. Ouais, je l'ai vu, ouais, effectivement, ouais. Allez! Ça, c'est fait. Hop! Ah, c'est ma Ah, ça, lunette. logique. Hein. Ouf! Oh, le coup critique qui pique le cul. Saloperie. Effectivement, il met du gros coup, lui, hein. Oh la Et vache. alors attention, le prochain qui joue là c'est le tueur à gages. Alors il peut pas aller chercher Malice. Non. Par contre il pourrait aller s'acharner sur Malvinette s'il veut. Non, mais c'est pareil, je pense qu'il y aura. Il va Le seul probablement te truc, taper dessus. j'aurais peut-être dû bouger. Parce que je crains qu'il puisse me taper moi. Ah oui, mais s'il me tape moi et Chobiti, il tape son Il pote en tape même son temps. pote aussi, ouais. Donc bon, c'est Donc. pas impossible qu'il décide de le faire, mais tant mieux pour nous. Enfin, tant mieux pour nous. Bah vas-y, du coup, Dame les Dents. Ouais, de Malvinette, de toute façon, elle pourra rien faire, donc. Je vais me mettre là. Et. Voilà, on va déjà faire ça. Et puis bah Ouais, la j'aurais pu suite. caler un mur de lance, mais ça va servir à rien, Non, puisque il faut qu'il se déplace, le mec, hein. non, Ça non. Non, sert ça à rien. sert à rien. Je te confirme que ça sert à rien. Et non, parce que je regardais si je pouvais caler un. Enfin, claquer un point de bravoure, vu que je vais regagner en Bah finissant le tour, après si tu peux normalement. toujours avancer, te mettre genre par ici et puis caler un Mais... mur de Pas... lance Non, non, pour non, non. protéger un peu Non, Gelden, mais. parce que sinon, le tueur à gages, il va nous taper tous les deux. Non parce que Damned avec son mur de lance il l'interrompt. Il interrompt son Ah! mouvement. Je peux faire ça, ouais. Mais est-ce que de là ou de là. Pardon, de là ou de là, est-ce que je vais être assez loin sur la distance? Non. Enfin, je pourrais me Bah mettre un endroit. Si, si, je pourrais, mais je ouais, sais pas où il l'idéal va se ça serait, placer, tu quoi. vois, empêcher qu'il fasse le tour par là, quoi. Ouais. Ok, Après, bah s'il bouge fait le pas. tour de l'autre côté, bah on le fion, mais on est obligé de choisir un côté, quoi, à un moment. Genre, vous le voyez là comment je le dirige, Non. le truc? Non. Non? Bah, en gros, c'est. Ouais, bah, de toute Bah, façon, sur cet comme ça. angle-là, ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est pas mal. Je Comme peux ça, pas s'il faire veut mieux, faire ouais. le tour pour essayer de taper. Ouais, non, c'est bon. C'est un bon truc. Alors du coup, il reste Malvinette et Malice. Bah vas-y avec Malice. Essaye de ouais, voir si tu peux caler un tir. T'as quoi comme mouvement avec Ah, Malice? Ah, c'est tu veux que j'aide, chaud. vous voulez plutôt que j'aide le ravageur ou pas? Hein.
Bah, le problème, c'est que là, tu vas éviter de tirer dans le dos de Malvinette. Ouais, déjà. Mais après, c'est vrai que la question, c'est est-ce que vous éliminez vite le pote du milieu et moi je tank à droite? Parce que j'ai le déplacement, mais j'ai aussi la course, vu que là on a des points. De toute façon, je ne vais pas en gagner un avec elle, mais non, c'est quand elle tue quelqu'un. Va soutenir le signe, on va. Ouais, essaye de voir si tu peux faire un peu de DPS de mon côté, je pense que ça sera pas dégueu, quitte à te mettre dans la brume. Parce que j'aurais bien aimé, c'est viser choper la lance, c'est gratuit, du coup c'est gratuit la non, lance, non? De toute façon, c'est gratuit, mais le truc c'est que. Elle est trop loin. T'as personne à porter. Ouais, si tu mets ta souris dessus, t'as une zone rouge autour et c'est la portée où tu peux la lancer. Bah, si j'avance Malice. Ah, la porte rouge, je pourrais lancer, pardon, excusez-moi. Ah, c'est bon, pardon. C'est bon, excuse. J'ai rien dit. Ça ira pour cette fois, mais qu'on ne vous y reprenne pas. Tu feras l'intro pour la prochaine fois. Là, je suis forcément mal placé. Toutes tes excuses sont bonnes, quoi. Bah ouais, j'ai peur que là, l'angle non, mais soit attends. Pas idéal. Bah très bien. Si, on va faire pas mal, ça. Tu fais 81% sur le boss, par contre. Non, mais l'autre, tire sur l'invageur. Tu peux toucher l'autre, ouais. Ouais, je peux toucher l'autre, oui. Voilà, parfait, on l'entame. De toute façon, normalement, il devrait venir sur moi parce que je suis plus proche. Limite, tu peux caler un barrage. Ouais, si je veux, je peux claquer deux points et caler un barrage s'il se déplace. Mais bon, ouais. Bah, de toute façon, il va forcément se déplacer, c'est obligé. Le boss, non, mais l'autre, c'est sûr. Que ce soit pour aller vers toi ou pour aller vers moi, il va se déplacer. Bon, allez, écoute, ça va. Après, s'il décide de faire le tour par derrière, ça serait que l'IA s'est sacrément améliorée, mais bon. Ouais, alors là, je demande à voir. Bien vu. Et bim. Donc normalement il devrait quand même mettre un coup je pense, mais au moins il touche personne. Ah non, bah non. Ça l'interrompt complètement quoi. Bah parfait. Ouais, c'est top ça. Ouais, ça c'est quand même pas mal hein. Bon Malvinette Tu tapes, non. Va faire ce qu'elle peut, hein. De toute façon ouais. Déstabilisation, ouais, garde réduite, ouais. Bon. Et pif. Ouais, tu vois, il va vraiment chercher le plus proche quoi. Ouais, ouais. Il s'emmerde pas. Bah après c'est pas mal hein, ça rajoute de la prévisibilité, je sais pas comment on pourrait dire, enfin pour pouvoir gérer en mode tactique quoi. Bah oui. Est-ce que je peux quand le boss il tape pas tout de suite le boss. Donc on aura le temps éventuellement si on peut me gagner un petit point pour que je cale une protection, ça m'aiderait. Alors attends. Gagner un point, tu veux dire de je pense que je peux. Bah, je peux t'en... C'est simple, hein, c'est quand je finis mon déplacement. Tu peux le terminer le tueur à gage ou pas? Alors, est-ce que je peux terminer le tueur à gage? Celui-là plutôt, hein, celui qui joue. Oui. Ouais. Il a combien? Il a 12. Je fais 6-9, donc si je critique, oui, non. Sinon, non. Alors, attends, dans ce cas-là, je vais le tenter avec. Vas-y. Bah, tout simplement, là c'est bon, je te fais un point. Et je tape personne d'autre et je me déplace ensuite. Bim, et je termine. Hop. Voilà. Et du coup, t'as consommé ton point là. J'ai consommé mon point, c'est un peu con. Ouais, mais je peux jouer moi avant, donc je peux redonner un point en fait. Ouais, là tu peux. Tu peux même terminer le tueur. Terminer le tueur à gage là et du coup tu regagnes un point. Je vais me mettre à portée. Attends, merde, c'est pas ça que je voulais faire, couillon. Oh, c'est pas grave. Non, mais je voulais me mettre en soutien de la vignette. Mais du coup, Damned aurait pu venir se coller aussi, mais ça va pas être très facile. Bah, je fais ça. Non, je peux pas. Si je peux, mais dans ce cas-là, si je peux, mais le mec a un. Et ben. Bah, remarque, Chobiti pourra le finir sinon, comme vous voulez. Ouais, Chobiti, elle va s'en tirer toute seule, je pense. Ouais. Bah, j'irai me coller à l'autre alors. Bah, je vais aller me coller à l'autre. Tu peux le taper, le ravageur là? Le ravageur, moi je peux. Moi je peux, ouais. Ouais, bah oui, carrément. Vas-y. Et ça. En plus, du coup, il est encerclé. Et ça. Et ouais, après, du coup, il faut que tu bouges pour. C'est quand t'es adjacent à un allié sans être engagé, donc il faut que tu te rapproches de Gaelden un petit chou. Je vais juste faire ça. J'espère que ça passe. On va voir. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Et oui, ouais, c'est bon. Ça passe. Ok, bah du coup, je vais. Il fallait le caler, hein. Je vais activer ma déviation. Hop. Et puis, bah, tant qu'à faire, je vais mettre un petit coup. Hein. Hop, voilà. Ouf. Ah, ma vignette est bouffe, hein. La vache, il fait mal, lui, hein.
Bon, le prochain qui joue, c'est le bricoleur, donc j'ai ma déviation. Je vais finir le tour engage limite et je vais venir vous aider autour du ravageur. Ouais. Ouais, parce que là, le ravageur, je pense pas que je pourrais le one shot. Hein. Oh, allez, bis. Tiens, dans le bide. Ah, j'aime bien le comment elle a essuyé le sang, elle a donné un ouais. coup d'épée pour le dégager le petit sang. Coup, le petit coup, quoi. Ah, c'est dommage, je peux pas atteindre Malvinette pour la soigner. Ouais, de toute façon, c'est un peu tard maintenant. Ça se fera au prochain tour ensuite. Alors est-ce que... Ouais, je vais plutôt me mettre par là, comme ça je pourrais la... Je pourrais peut-être gagner un soutien. Je me suis hyper mal placé avec Galen, parce que le problème c'est que du coup si je tape, je me tape avec. Ouais, bah je pense que ce sera pas toi qui te tape et... Ah oui, même avec Malvinette du coup, ouais. Eh oui. Non mais ouais. J'ai très mal fait. Ça arrive. Oh, ça, c'est oh c'était bon. Propre ça. Bah écoute Mali, je pense que tu peux gagner un point en la finissant. Ouais, du coup. Je vais l'achever. Bisous, dans le dos. Voilà. Donc, comme ça, il peut pas jouer, c'est très bien. Ah, on gagne la galvanisation, ça va faire voilà. plaisir. Voilà, et puis c'est toujours. Bah, Ouais, je m'arrête là. Décale-toi, ouais, t'auras plus. Non, c'est bon. Ah oui, moi je le retourne après, c'est pas grave. Ouais, t'auras le mouvement pour gagner. C'est vrai, j'aurais pu. Si je fais ça, je m'inflige 13 points de dégâts. Ouais, non, alors sinon, je lui colle une frappe déstabilisante. Ouais, bah, vas-y, claque le point. Hein. Ouais. De toute façon, il est pas prêt de rejouer. Hein. C'est ça. Ouais, je peux clairement, même. On a le temps de le finir, quoi. Non, bah, utilise pas nos autres points de bravoure, on en a plus que 3. Ouais. C'est pas nécessaire. Ok. Bah, avec le signe, attaque pas tout de suite au Stanor, je vais essayer de lui péter son armure avant. Avec Malice. Ouais, alors il joue dans 2 tours, donc limite ce que il faudrait faire, c'est que toi, Damned, tu joues. Tu butes les ravageurs avec vraiment Damned, et tu gagnes ton point en étant collé à un adjacent sans être engagé là. Ouais, d'accord. Et derrière là, moi, il faudrait que je joue le signe noir pour prendre la protection. Ok, bah. Avant qu'il tape. Voilà, terminé. Et du coup, bah tant pis, je place, jouerai. Bon. Alors, non, faut que tu sois adjacent! Ah, et sur le piège! Oui. Ah! J'ai fait n'importe quoi! Pardon, Quel talent! Bon, bah, définitivement, c'est lui qui fait la prochaine intro. Hein. Bah, je vois pas à quoi ça servait que je reste là-bas en fait, j'ai pas compris. Mais... Bah, si t'étais adjacent à un allié, tu ah, ouais, me permettais d'avoir un détails. Point pour que ouais, j'évite ouais, de prendre. Ouais, là, je vais prendre. Ouais, je vais prendre très cher. Ouais. Bah tant pis, hein, je vais prendre très cher. Hein. Ouais. Ouais, bah ton armure est HS. Hein. Ouais. Oh, ça va. Ton armure est HS. Ouais, bah c'est vrai que c'est un tank, quoi. Ouais. Qui est-ce qui peut regagner des points facilement? Bah, y avait Damned. Ouais, bah non, ouais. Là c'est mort, pour, c'est mort pour vous, du coup. Bah là, Malice met lui une flèche dans le cul, de toute façon, nous, le temps qu'on arrive... Il a déjà joué. Ah oui, t'as déjà non, joué. Non, pas avec Malice. C'était au tour d'avant, ouais. Non, c'était au tour d'avant. Ouais. Hein. Avec Malice, bah c'est ramène vrai. Pas Malvinette, hein, Galden, parce qu'il attaque deux zones, hein, donc de toute façon, il faudra pas que vous veniez. Voilà. On va s'occuper de le terminer tranquillou bilou, pas de stress. Ouais, il faut que tu termines ton tour et... Ouais. Et on termine les nôtres. Yep. Hop. Tac. Ouais, désolé pour le miss. Ah, pardon. J'ai oublié. Alors, désolé, ce qu'on peut peut-être faire pour optimiser, c'est. Tu fais combien de dégâts, Malice? Tu peux le finir là? Tu vas le finir, gagner un point. Je sais plus si le combat s'arrête tout de suite. Non, le combat ah, va si, le s'arrêter. Combat... Non, alors ce qu'on fait, c'est que Damned, tu bouges à côté de Chobiti. Tu termines ton tour à côté de Chobiti, ça gagne un point. Chobiti me fait un soin. Et ensuite, ouais. Malice termine le. C'est vrai, ça passe. Est-ce que tu vois l'intérêt d'Amned? Ouais. Je sais pas si ça sert à grand chose. Hein. À mon avis, si Amned peut choper une blessure, elle la chopera de toute façon. Je pense qu'elle va avoir une blessure quand même, mais ça peut se tester. Hein. Du coup, à toi d'Amned. Fais-nous rêver. Donc, je. Tu te colles à Chobiti. Je viens juste me coller, on est d'accord. Hein. Bah, tu gagnes des points juste en étant adjacent à un allié, donc. Faut s'en servir, quoi. Je peux soigner si vous voulez, mais bon. Bah, non, on n'a pas de points, justement. Non, l'idée c'est. Non! Je vais me coller! Mais pas grave, tu feras le tour. Je ferai le tour. Pour que je puisse soigner Malvinette, il faut que je puisse accéder à Malvinette. Voilà, c'est bon.
Et c'est pas facile tous les jours. Ah non. Hop, voilà. Ça fait un petit peu de soin, ça te remonte quasiment à 50%, ça évitera peut-être la blessure, je suis pas sûr, mais... Je sais pas. Ok, donc là, juste avant qu'il joue, une flèche dans le cul et on en parle plus. Ça rime. Exactement. J'ai À toujours toi, su que t'étais Malice. poète. Et du coup, je me demande si on va gagner de la suspicion suite à Que, ça. en fait, j'ai pas compris, parce que tu lui appliquais un soin avec Shubiti ou moi avec Damnet, c'était pareil, en fait. Ben non, Non, parce parce que que... t'as gagné un point, donc là, le soin était gratuit. Ah oui, putain, Plutôt ok. qu'utiliser nos points de bravoure. Oh, je retourne dormir à demain. C'est dur aujourd'hui, je vois. Ah, c'est... Ouais, j'ai... Ouais, c'est dur. Ami viewer, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Non, mais c'est bien, c'est pour faire des commentaires, au moins, Bon, ça pourra se moquer. par contre, il faudrait que tu tues le boss avec Avec Malice. Malice, tu serais bien Il a déjà... urbain. Parce que t'as déjà joué avec le signe? Ok. Euh, Non, non, mais mais... moi je peux pas le tuer, je fais pas assez de dégâts. Enfin, Ouais, quoique, s'il y aurait moyen que je le tue. non, mais Trop vas-y, tard, mais bon, il y en voilà. a un 19, y c'est en a un qui propre. fait un tu garanti, un kill garanti et l'autre c'est pas sûr. Ouf, ouf, ouf. Ben non, pas de blessure. Ouf. Nickel, On bon bah a ça a fait récupéré le sa taf. hache à deux Ouh, la mains. hache à deux mains de la fraternité qui va faire plaisir là. Ça va être pour qui? Est-ce qu'on a... On n'a pas de guerrier. Attends, Malvinette, c'est pas une guerrière. T'es un combattant niveau 2, massacreur au marteau. Peut-être que moi Non. je peux le prendre. C'est les guerriers, c'est la sentinelle, c'est le... Ouais, moi je peux utiliser des haches, donc ça veut dire que je peux peut-être la prendre. Alors est-ce que c'est pertinent? On va voir. Ouais, le problème c'est que t'es tank, quoi. Là, on va voir hein, si je peux utiliser ma déviation même sans bouclier. C'était quoi ce ding? Je viens de ding. Attends, déjà on va sortir de cet écran pour pas déposer des trucs ou foutre la merde. Voilà. Ouais, non, c'est le bouclier qui me donne la Eh compétence protection. Donc, ouais. oui, c'est un peu logique, hein. Oui, non, mais je savais plus, c'était un truc que j'ai pris. Parce que, genre, tu vois, Shobiti, typiquement, je l'ai payé la compétence. C'est une compétence de Ouais, classe. d'accord. Donc, du coup, techniquement, ça devrait marcher. Mais bon, il faudrait une épée à deux mains, du coup. Bah, d'ailleurs, tiens, t'as une épée à deux mains, toi? File-la pour voir, juste. Avec Si je peux. Si je garde la compétence déviation en l'équipant. Ah, je la garde, ouais. Ah, c'est fort, ça. Ouais, mais du coup, t'as moins de garde, t'as moins Oui, de... après, on est d'accord. J'ai tous les autres bonus, ils servent pas, quoi, mais... Ah, du coup, le signe... Alors, attends, il avait quoi dans son build? C'était une sentinelle. Ouais, sentinelle, armure lourde. À chaque fois que je m'engage, j'obtiens 1. Est-ce que je m'engage en tapant avec ça? Ouais, il s'était en... Ah non, c'est toi qui l'as engagé d'abord. Normalement c'est 8, 11 de dégâts à la cible. Ah oui non, c'était le boss qui tapait des multi-cibles, mais ça tape bien une cible, ouais. Après, je passe de 8, 11 de dégâts. Attends, qu'est-ce que c'est que ce build? 8, 11 de dégâts, 7, 9 de dégâts. Ouais, c'est surtout le plus d'armure, les dégâts sont augmentés de 50% qui fait mal, quoi, mais... Bon, pour l'instant, je vais garder le bouclier, ça marche assez bien. Mais on va se garder en tête qu'on a éventuellement cette hache pas dégueu qui pourrait servir. Ouais, on pourra récupérer un perso qui utilise les haches ensuite, quand on aura des sous. Alors attention, Ardarine monte de niveau et devient un poney de guerre. Ouh. Et là, ça déconne pas. C'est A4 qui va être jaloux. The. Je peux augmenter sa constitution. Parfait. Bon, allez, je parle de notre... Ah oui, le vrai. Le vrai A4. Et du Notre coup, compagnon. il gagne un emplacement d'armure. Et Ah, qu'il va falloir lui forger, sans doute. on peut le nommer capitaine si on veut. C'est absurde. Ce serait tellement N'importe absurde. quoi. Mais drôle. Mais J'adore l'idée. absurde. Mais drôle. L'influence, on va peut-être la garder, hein. Je pense que ce soit pas utile de nommer un Oui, capitaine pour tout de suite. l'instant, le capitaine, ça peut attendre un tout petit peu. Mais du coup, Ouais. normalement, Ardarine va venir sur le champ de bataille, quoi. Et j'avais peur qu'on soit obligé de lui enlever son équipement sans fer à cheval, mais en fait, non, du coup, on peut lui laisser le fer à cheval, et ça rajoute un emplacement supplémentaire. Le fer à cheval, on peut le mettre sur A4. Hein. Il n'a pas d'équipement. Hein. Oui, on peut le mettre sur A4, oui.
De toute façon, on pourrait en acheter un autre pour en mettre deux, de toute façon, si on voulait, mais... Après, on peut fabriquer des fontes pour augmenter de 10 encore, je crois, le transport dans les campements. Et Akatsuko, tu peux aussi être nommé capitaine, hein, en vrai. Dis pas ça, il va vouloir, là. On va avoir 2000 commentaires après. Bon, bah du coup, on a au moins réussi cette quête. On a une autre, ben on en a une autre à faire. On juste a une à autre côté, juste à côté, ouais. Mais on va arrêter l'épisode de, sur cette bataille, si tu veux faire une petite outro. Ok, ben donc je sais pas, voilà, je sais pas trop ce qu'il y a à dire, mais non. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Demande un commentaire et dis au revoir aux viewers, c'est rien déjà. Et puis on vous dit au revoir et puis on vous fait plein de bisous. À bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.